Yepa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que tu m'avais pas vue parce que, comme tu as pu le voir dans ma précédente vidéo, je déménageais. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je te remets le lien juste ici, 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 pour que tu puisses voir pourquoi je déménage et où est-ce que je vais. Là maintenant, je vais te montrer la nouvelle maison, là où je suis. La seule pièce qui est nickel, qui n'a presque, j'allais dire qui n'a rien à changer, mais presque, c'est l'endroit où je suis ici, c'est-à-dire c'est mon nouveau local, où je te reçois pour te booster, pour te conseiller, tout en te faisant ta manucure et pédicure. Donc, viens avec moi, je te montre. Déjà, t'entends? T'entends le coq? Je sais pas si tu l'entends, mais c'est la campagne. Vraiment, j'aime beaucoup. Je te montre ça. Alors, voici ce qui est en face de moi. T'as mon ordi, mes étagères, voilà tout ce que j'ai besoin pour pouvoir t'accueillir. Tu te laves les mains, tu t'installes et voilà. Donc si ça t'intéresse, un mail tour, c'est-à-dire que je te montre tout ce qu'il y a dans mes tiroirs, tout ce qu'il y a à voir, tu me mets ça et je t'expliquerai. Et là on sort. Hop! Et voici ma maison, voici l'entrée. Ok? Et là, c'est là où nous étions. C'est là où je reçois toutes mes clientes. Donc, eh bien, on y va. Je te montre les alentours. Ma voiture. On entend beaucoup le chemin, les voitures parce que la route est juste devant. Alors, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Ici, là, on a les lapins. J'ai pas envie d'aller dans la boue. Coucou Pimpin. Bon bah ils sont en train de dormir, on va les laisser dormir. Hein. Tu vois les voitures? On continue de descendre. J'ai pas du tout les chaussures adaptées, tu vois. Je suis en tongue. Mais c'est pas grave. Il y a un chien, un vagabond ici. Ah, je t'ai pas montré mon chien. Il y a un chien, moi j'appelle vagabond, qui traîne tout le temps. On lui a mis à manger là, puisque bon, il fait super chaud. Parce qu'au moins il aura quelque chose à boire et manger. Et regardez comment c'est joli. Là, on est derrière la maison. Là, il y a des cabris. Kikou. Je pense que tu la vois. J'ai pas envie de descendre plus, glisser et me rétamer là bêtement dans ma vidéo, ma propre vidéo. Là, je remonte. Donc, on a notre compte de fruits à pain, de bananes. D'avocat. Non mais est-ce que tu vois? Je sais pas si je peux zoomer. Ah oui, je peux zoomer comme ça. Voilà. C'est lui qui fait son petit désordre là. Coq. Mais on en entend aussi plus loin, chez les voisins ou je ne sais où. Je vais passer. Donc là. Là, tu as la maison. Hein. Là, c'est là où je reçois les clientes. Et voilà, par derrière. Donc, tu as plein de d'arômes. Je vais toujours checker, voir. Parce que après, ça gâte. Ah, il y en a un qui est tombé. Alors, lui, il est tombé aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, je suis déjà passée et il n'y avait rien. Alors, inspection pour voir s'il n'est pas blessé, coupé ou quoi que ce soit. Sinon, ça ira au cabré, hein, on ne sera pas perdu. Ah, mais c'est pour nous. Je le pose là, je vais le prendre tout à l'heure en remontant. Et normalement, tu as des poules là. Ouais, elles sont pas, elles m'ont entendu. C'est pas les nôtres, hein, poule game, comme on dit ici. Voilà, donc tu as vu tout l'extérieur. Tu as vu comment c'est calme, reposant, apaisant. Donc tu. Tu imagines à quel point les enfants sont super contents ici.
il fait super chaud. Je pense que tu le vois, comment je transpire. Il fait super chaud. Il y a un ouragan là qui est tout près, mais qui ne va pas passer sur les petites Antilles. Pas de souci pour nous. Je pense qu'il ne va toucher aucune terre, donc c'est génial. Hein. L'ouragan Lee. Il y a une tempête derrière, Margot. Je te mettrai tout ça ici. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a super chaud, qu'il n'y a pas... Il y a une panne d'alizée, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais te dire. Je suis en train de m'égarer. On est en pleine décoration dans la maison. Donc j'ai fait appel à une décoratrice. Son Insta, c'est Ambition Déco. Je te le mets juste ici. Et franchement, jusqu'à présent, je ne suis pas déçue. J'avais peur parce que, bah déjà parce que c'est de l'inconnu pour moi. Je n'ai jamais fait appel à une décoratrice. Je me demandais, est-ce que ça va me coûter un bras? Est-ce que vraiment elle va faire comme j'aime ou elle fera comme elle aime? Enfin bref, j'avais plein de trucs et je me suis dit, allez, vas-y, parce que j'arrivais absolument pas à aménager le salon, en fait, puisque le salon que j'ai est plus petit que là où j'étais à la Jaille. Donc, lorsque j'ai mis mes meubles, parce que j'ai les mêmes meubles que la Jaille dans le salon, on étouffait. Et moi qui ai un style, je pense que tu le sais, à moins que tu viennes d'arriver sur la chaîne, si tu viens d'arriver, si c'est le cas, bienvenue. Clique sur s'abonner pour voir d'autres nouvelles vidéos. Je suis en Guadeloupe et je m'appelle Sandra Cerise. Voilà, la présentation est faite. J'ai 3 enfants, dont un qui est en situation de handicap. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? La décoration, voilà, j'arrivais pas du tout à savoir comment agencer le salon, comment me sentir bien, etc. J'avais l'impression qu'il fallait que je change tous les meubles ou péter des murs ou j'en sais rien, enfin bref. Et elle m'a déjà donné un premier jet hier, elle m'a donné une première idée. Et c'était... génial, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte, là elle va me refaire une deuxième idée. Les WC que je dois refaire aussi, changer les WC. Bref, il y aura de la déco, en gros, voilà. Résumé, il y aura de la déco. Donc si ça t'intéresse, franchement abonne-toi parce que tu verras les changements dans la maison petit à petit. On va faire petit à petit, d'accord? Chaque mois, on va faire un petit peu parce qu'on ne veut pas faire de crédit, on ne veut pas... voilà, on est sorti sous un loyer, c'est pas pour rentrer dans un truc de crédit. Quand on a le choix, quand on a la possibilité, il n'y a rien d'urgent. Donc, je pense que... non, j'allais dire la prochaine vidéo, non. Très rapidement... Je vois qu'il y a des cerises. Ah mais je t'ai pas montré, j'aurais dû commencer par te montrer que Sandra Cerise est un cerisier. Si mal. Bon, en fait les cerisiers, je sais pas, je pense que tu reconnais ou pas. Si t'en as jamais vu, ben voilà, cerise pays. Hein. Je rappelle, je suis en Guadeloupe. Je suis persuadée d'avoir reçu une cerise, en plus bien rouge. Et là je ne la vois plus. Ah, 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 ah. La voilà. On va faire le tour. Il n'y en a qu'une seule aujourd'hui. Ah, et en plus, elle est bouffée. Voilà. Bon, on va la laisser pour les oiseaux. Hein. On va la laisser, qu'elle leur serve, au moins. Donc, je te disais, il y aura de la décoration. Il y aura... tu vas suivre les avancées. Je te laisserai les coordonnées lorsque je serai satisfaite. D'accord? Par exemple, là, le plombier, si je suis satisfaite, je te mets les coordonnées. Dans la barre d'informations, je te mets les coordonnées de la décoratrice parce que jusqu'à présent... Franchement, rien à dire et pourtant j'avais beaucoup de craintes parce que je ne connaissais pas tout simplement, mais j'étais attirée par elle parce que j'aime bien ce qu'elle dégage, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce que je la suis aussi sur Insta et je me suis dit, allez, si c'est quelqu'un, c'est elle et personne d'autre. Donc, voilà. Donc, c'était déjà pour te donner des petites nouvelles et puis au fur et à mesure, je te montrerai l'intérieur de la maison. Donc là, tu as vu l'extérieur qui va changer également. Moi, j'aimerais bien planter un citronnier. On a planté... tu le vois là, on a planté, comment ça s'appelle, on avait ça à la Jaille, on en mangeait tout le temps. Et puis sinon il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ici, donc franchement, on est ravis, on est contents. Donc la prochaine fois, ben, je te montrerai l'intérieur de la maison, je pense que la pièce que je vais finir en premier, ce sera les WC, ensuite ce sera le salon, et je te montrerai progressivement. Moi je suis tous les jours en train de surveiller. Il y en a dans le fruitier en plus. Hein. Les pommes cannelle. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as pu avoir des petites nouvelles de moi. Voir où je suis. Très campagne. Ah, et puis, il faudrait que je te montre ma routine. J'ai trop hâte. Je suis trop une gamine en fait. Mais j'ai trop hâte de vous faire ma morning routine. Parce que le matin... Sandra va donner à manger à ses animaux.
maintenant, il y a du nouveau. Donc là, jusqu'à présent, la seule chose que nous avons fait, c'est venir avec nos citernes, parce qu'il y a souvent des baisses de pression ou des coupures d'eau ici. Voilà. Tu as vu, ça, c'est un calebassier. Comme par hasard, j'en vois pas là pour pouvoir te montrer des calebasses. Comme par hasard. Attends, peut-être c'est parce que là où je suis placée. Voilà. Je sais pas si tu le vois là. On va essayer de zoomer. Voilà. Tu reconnais. Alors moi, il y a plein de trucs que je connais pas. Hein. Je vais pas mentir, je vais faire la meuf campagnarde. Je suis née à Paris. Hein. La citronnelle, il y a de la menthe aussi là-bas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de menthe. Et il y a d'autres choses que je ne connais pas. Ça, je crois que c'est du gros thym. Je suis vraiment pas sûre. Hein. Je te le mets en gros plan. N'hésite pas à me dire, est-ce que c'est du gros thym. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu reconnais ici? Parce que je ne reconnais pas. Bon, ça, c'est les œufs des poules game. Il y a aussi beaucoup de fleurs. Je n'ai pas pensé à les te montrer en bas, là où on était, mais il y a pas mal de fleurs aussi. Hein. Il n'y a pas que des choses à manger. Tu as une prune de citerre. Ça, je pense que c'est des fleurs. Tu as aussi, tu vois, la preuve qu'on est en plein déménagement, on n'a pas encore fini. Hein. On continue encore d'ouvrir des cartons. Tu as des icaques. Tu les vois là? Ouais, là tu les vois. Et donc, au bord du chemin, à côté de nos poubelles, ouais, je sais, ça fait pas glamour, tu as des goyaves. Bon, mais on commence à avoir des petites gouttes de pluie, donc je vais rentrer. J'espère que cette vidéo te plaît. Je n'hésite pas, mets-moi un like, un commentaire. Dis-moi quelle pièce tu as envie de voir comme décoration. Et si ça t'intéresse aussi de voir de la déco, parce que peut-être pas. Et il y a toujours Mentor. Ça, c'est les toilettes que j'ai achetées, qu'il faut qu'on monte. C'est pour ça que pour l'instant, je ne vous montre pas parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Donc on va attendre qu'il y ait des choses à voir. On va attendre qu'il y ait des choses à montrer. Vraiment, un chien qui fait dodo. Ah, il est pété là. Il est fatigué.